Et c'est bon. Donc du coup, la porte s'ouvre. N'est-ce pas? Vous avez, grâce à Heisenberg, vous avez évité que les Nokt ne se déversent sur le monde. De façon assez spéciale, mais vous l'avez fait. Donc les portes s'ouvrent et d'abord un mince ray de lumière vient aveugler. Non, pas tous les Nokt d'ailleurs. Vient vous aveugler. Puis, les portes s'ouvrent en grand. Vous avancez, les montagnes infranchissables du Gonen sont derrière vous. Devant vous, l'Olympine d'un lac est tout autour du sable blanc. Et non loin, un arbre immense avec une maison à l'intérieur. Vous êtes arrivé en Alialandslar, le pays du néant, où se cache peut-être Tamerlan, le plus grand sorcier de tous les temps. Et au fond du lac, quelque chose semble briller. Mais sinon, devant vous, il y a un arbre avec une maison. Quelque chose semble briller au fond du lac. On peut regarder plus près? Faut aller le chercher absolument. Quelque chose d'inaccessible semble briller au fond du lac. Oui. Bon, voyons voir comment on peut récupérer ce chose qui brille. Je survole déjà le lac. J'essaye de voir qu'est-ce qui brille au-dessus du lac. Tu vas me faire un jet de perception. Je croyais que tu allais me dire courir, voler. Parce que maintenant, moi, je saute plus. Courir, voler. Non, voler, c'est comme marcher pour toi. Donc, tu vois pas. T'arrives pas à voir, c'est trop. Attends. Vengeance! Ah oui, pardon. De toute façon, ce soir. Ça s'est fait. En vengeance, par contre, ce soir, t'es bon. Un des zéros, non. C'est triché. 0, ça fait 10 sur un des 10. Perception. Décidément. Pas. Non, tu essaies de te rapprocher de l'eau, mais tu vois pas. T'as l'eau qui ondule un peu, tu sais, ça déforme la lumière, donc t'arrives pas à voir. Ça a l'air gros. Tu sais pas, t'as loupé ton jet. Bon, bah, je vais le sortir de l'eau, quoi que c'est. Comment? Roi de carreau. T'as un roi de carreau? Et tu sors un truc de l'eau avec un roi de carreau? Ah ouais? Ok. Marqué que je peux déplacer un galion, alors... Oui, oui. De l'eau sort une épée. Encore une épée? Moi, je prends l'épée. Tu prends l'épée. Ah, elle est belle? Oui. Ah, je suis contente. Je reviens. Un roi de carreau pour une épée. Et je dis, regardez, la magie, c'est super, j'ai une épée. Et je pioche une autre carte. Vas-y. Ça a l'air d'être une épée tout à fait classique. Ouais, tu peux faire un jet de connaissance des secrets. Je demande à Lucas. Tu sais ce que c'est comme épée? Je sais pas. C'est... Moi, je peux regarder. Lucas, il sait pas. Oh, si Lucas sait pas. Tu peux essayer, oui. Ouais, t'as lu quelque part dans un livre, c'est l'épée de Psaror le Fulgurant. Elle fait quoi? Elle tue instantanément toute créature non magique, en cas de succès dans ton jeu. Ouais, du coup, je leur explique. L'épée de Psaror. Psaror le Fulgurant. Psaror le Fulgurant. C'est bizarre, il lui... n'est pas magique. Mais on en a pas déjà une comme ça? Si, vous êtes bien équipés. Alors non, on en a une qui tue tout. Même ce qui est magique. Vengeance, là, elle tue tout le monde. Sauf les dieux. Elle tue tout. Oui. Et on en a une pour les dieux, une pour tout, et une pour les trucs non magiques. Voilà. 10 de carreau. Donc là, j'ai un 6 de pique et un 10 de carreau. Donc que faites-vous? Bon, on va aller voir la maison maintenant qu'on a l'épée. Alors moi j'ai déjà une épée du coup, alors je vais pas en prendre 50. Qui c'est qui a pas d'épée qui tue tout? Bah y'avait moi, je savais pas encore, maintenant j'ai. Y'en a qui ont des corps qui tuent tout, y'en a qui ont des arcs qui tuent tout. Eden n'a rien qui tue tout d'un seul coup. Enfin tu me diras, le corps de la destruction c'est pas mal. Non, les dragons c'est magique. Mais toi il faudra que tu lui files, parce que toi tu vas tuer le dieu je pense. 19. Sans vouloir. Hein. Ouais, mais moi, mon épée, attention. Hein. Ça tue que le dieu, quoi. Le reste, elle est toute pourrie. Hein.
Ouais, mais nous, on sera ta couverture. Enfin, tu verras. Pour le reste, c'est une épée. Donc, si vous voulez accéder à la maison, il n'y a pas d'échelle. Elle est en hauteur. Il y a une plateforme, mais il n'y a pas d'échelle. Bon, 19 peut y aller, bien sûr. Il va falloir que tu te fabriques une nacelle, 19, parce que... Ouais, vous êtes un poil fatigant, quand même. Hein, bah attends, on t'a chopé des ailes, on pouvait pas s'en prendre pour nous, excusez-moi. Non, mais en fait, vous avez fait exprès. On a filé les ailes, après c'est à moi la corvée, de vous soulever, de vous servir de... Vous avez pris une très bonne décision à l'époque, vous saviez même pas. Et dire que t'es même pas contente. Alors que c'est des super ailes qu'on a dessinées avec soin et tout. Vous auriez pu me rendre mes mains aussi. Est-ce que t'aurais été vraiment contente de récupérer tes mains alors que les points grappins ils sont super cheatés? Ouais, tu nous auras, détesté. On y a réfléchi. Alors, je me suis coupé mes mains parce qu'elles étaient maudites en fait. Hein. Je vois. Oui, mais pas la deuxième. Si. Non. Si. Non, pas la deuxième. Bah si, la première dans le désert. La deuxième, tu l'as coupée. Non, la première dans le temple de la forêt, la deuxième, c'est à cause du désert. Hein. Ah oui, c'est vrai que t'avais le poignard. T'as raison. Si, elle était maudite aussi. Je me suis pas coupé de joue de... Ah non. Donc, tu montes, je suppose ? Je monte. Pas. Oui. Oui. Tu arrives sur une plateforme. Il n'y a pas une échelle, il n'y aurait pas un truc pour les faire monter. Une terrasse, oui, on va dire. Tu vas trouver une échelle à leur balancer. Donc vous pouvez tous monter. Donc vous êtes sur une petite terrasse devant une maison en bois. Je donne l'épée à... Dans les conseils d'Azenmer, je donne l'épée à Céden. L'épée, machin. L'épée de Psaror. Que faites-vous? Ah, on va frapper à la porte, ça doit être là. C'est ça, comment il s'appelle? Ta mère, non. Vous toquez à la porte. Et vous avez... Je sais pas si j'ai... Pardon, c'était quoi l'épée? L'épée de Psaor. De Psaor, le fulgurant. Tout c'était pas magique. Ah, je l'ai pas pris, lui, j'aurais dû. Mais c'est pas grave. Donc vous toquez à la porte, et la porte s'ouvre. Et à l'intérieur, vous avez la surprise, ou peut-être pas, de découvrir un dragon. Mais un dragon, pas un dragon européen, un dragon chinois. Ouais, un dragon serpent. Dragonné. Voilà, ah. Qui est... L'année du dragon, quoi. Voilà, qui est lové dans une immense, ce qui ressemble à un salon. Ouais, il est un peu enroulé sur lui. Il ressemble à la statue qu'on a vue à... Oui. À Irem. Donc on sait que c'est ta merde. Oui. Salut. On venait vous voir. Ah, moi, je m'incline quand même, hein, respectueusement, parce que là, il y a papa, quand même. Eh bien, bonjour, vous êtes... C'est vous, les aventuriers, cette fois? Cette fois? C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous venons délivrer le mal de ce monde. Ah, et vous avez besoin de moi? Tout à fait. Vous, le grand Tamerlan. Effectivement. Déjà, que mademoiselle, vous avez... Je parle 19. Dis, est-ce que vous avez toujours eu des ailes comme ça? Et vos bras, là? Ah non, c'est assez nouveau. Mais c'est sympa, hein. Sympa? Vous voulez les garder? Les ailes? Bah tout. Tout. Bah, te formater. Le problème, c'est que oui et non, mais oui, parce que en fait, je pense que je vais en avoir besoin bientôt. Mais ça me contrarie, hein, parce que... Après, les cordes de bouc, je suis pas certaine quand même. Je vous avoue, hein, que je pense qu'il y a une blague derrière tout ça, mais j'ai un peu de mal avec les cordes de bouc. Écoutez, après... Non, c'est pour ta technique d'assaut frontal. C'est comme vous voulez. Moi, je vous propose... Vous voyez le lac qui est en face? Vous, oui. Baignez dans ce lac, vous redeviendrez vous-même.
Mais c'est tout ou rien. Mais on peut pas revenir après au lac une fois que j'ai tué le dieu. Ah si, après. Ah bah on verra après alors. Parce que dans l'immédiat, je préfère avoir les atouts derrière moi et des ailes quand même, c'est un sacré atout. Ok, alors... Ça fait que ça de se baigner dans le lac. Apparemment on peut revenir normal. Mais moi j'ai pas changé, si j'ai changé. Est-ce que moi, si je me baigne dans le lac, je redeviens Kairis? Non. Ça, hein? Non, non, ça vous enlève toutes les modifications physiques que vous auriez pu avoir. D'accord. Salmerlan vous dit, bon, écoutez, moi je peux vous aider, je sais pourquoi vous êtes là, les aventuriers viennent toujours ici. Par contre, je sens que l'un de vous a l'épée de l'exil. Bah oui, bah, nous on n'est pas venus là pour rien. Nous on est le groupe qui vient utile avec l'épée de l'exil, une tueuse de tout le pas et tout l'achat. Voilà. Et des ailes et des cornes de bouc, on a la totale. Peut-être que cette fois vous arriverez à mettre fin à ce cycle infernal. Et c'était qui avant du coup qui passait? Oh, vous savez, tous les 500 ans, on va dire. Peut-être tous les 300, ça dépend. Vous savez, moi, le temps, c'est un peu une notion vague pour moi. Il y a un grand chef qui arrive en Osmanlie, qui s'associe avec le Khan en place et déferle sur Arya. Et moi, je suis là pour aider les aventuriers qui essayent de venir contrecarrer ses plans. De temps en temps, ils y arrivent. De temps en temps, ils y arrivent pas. Mais en tout cas, moi, je suis là. Vous savez, j'ai moi-même, dans mon temps, sauvé Arya, même si j'ai fait beaucoup de mal à l'Osman pour ça. Comment ça, de temps en temps, ils y arrivent? Il y a un groupe d'aventuriers comme ça viennent. Et de temps en temps, ils arrivent à tuer le dieu ennemi, mais il revient toujours. Comment c'est ceux qui reviennent toujours? Bah parce qu'on ne tue pas facilement un dieu. Mais vous, apparemment, vous avez de l'arme qui pourrait le tuer définitivement. Oui. Mais certains de ces aventuriers échouent dans leur mission, et du coup, Arya est envahie, et c'est la guerre. Vous avez l'air... Un peu las. C'est toujours la même chose, vous savez. Moi, après, je suis là. J'aide comme je peux, mais... avec vous, j'ai bon espoir. Et c'est cool. C'est super cool. Et du coup, comment vous nous aider? Bah écoutez, déjà, je vais vous donner des informations. Alors. La reine Oriane est avec le Khan d'Osmanli. Ils ont levé une immense armée. Et vous aussi, il vous faut une armée. Ah. Alors, on a peut-être des gens qui ils sont morts. Est-ce que ça compte? Je vous explique. J'ai un plan. Il vous faut une armée d'au moins 10 000 hommes. Il faut que vous alliez recruter 10 000 hommes. Au moins. Et pour ça, je peux vous aider. 10 000 hommes. Ok. Il vous emmène dans une pièce. Donc vous pénétrez dans une immense salle, grande comme un château, et peinez à croire que vous êtes toujours dans la cabane sur l'arbre. Même si les murs sont en bois, il y a ici d'immenses miroirs de la lune, similaires à celui que vous avez vu à Irem. Il vous explique. Ces miroirs sont tous reliés au palais des monarques, des royaumes de l'autre côté du mur. Je les utilisais il y a bien longtemps, quand les rois daignaient admettre que la sagesse de Tamerlan leur était utile. L'un d'entre eux est même relié à Tansanmi, donc là où est Oriane. Ne le franchissez pas, il vous amènerait au cœur des armées ennemies, mais vous pouvez voir ces monarques et les convaincre qu'il est possible d'envoyer leur armée ici, puis à Tansanmi, lors d'une attaque éclair qui dévastera le haut commandement d'Oriane. Vous pourrez alors récupérer la couronne. Donc en termes de jeu, vous avez plusieurs miroirs
Ces miroirs vont vous emmener... Il y a à peu près... Il y en a plein, en fait. Il y a à peu près autant de miroirs que de villes que vous avez visitées. Plus quelques petits miroirs mineurs, on va dire. Est-ce qu'il y en a plus de 10? Il y en a beaucoup, parce qu'il y en a qui sont inactifs. Parce que je me suis dit, s'il nous faut 10 000 hommes, on demande 1 000 hommes à chacun et... Ça, non, mais on demande le maximum à tous. Faut pas lésiner. Donc, par où voulez-vous commencer? Dites-moi. Celui-là vous amènera à Aria, celui-là à Biga. Là, il y a Anna. Celui-là à Altabianca, Akaba, Kniga, Varna, le Paimon. Moi, je vais aller à Akaba. Moi, je m'occuperai de... Vous séparez pas, s'il vous plaît. À Akaba, on a nos chances, déjà. Aria, c'est facile. On a l'ambassadrice. Le gros morceau, alors, ça va être Niga, quand même. À Aria, ils ont plus d'armée, donc c'est mal barré, quand même. Par contre... Mais... Commencez par où. Je pourrais peut-être... Akaba, c'est une bonne idée. Hein. Akaba, le sultan... Je demande au sultan, ouais. Et puis nous, on a... Comment ? On lui a ramené l'arme qui a tué son... L'arme qui lui a tué son frère, etc. Enfin, on a des arguments, on était copains. Après, il y a le Paimon. Oui, il y a une bande de hobbits survitaminés. Donc vous arrivez, vous passez le miroir qui vous emmène dans le palais du sultan à Akaba. Il est là, vous arrivez en fait dans la salle du trône. Et il vous dit, oh mais... Le miroir de Tamerlan, ça fonctionne encore ce truc. Je me souviens de vous, qu'est-ce que vous faites là? Paix et prospérité, cher sultan. Bonsoir, cher sultan. Vous me reconnaissez? Oui. Non, pas vous d'ailleurs. Mais vous, je vous reconnais. Ah, il me connaît quand même. Oui, oui, mais pas... Ouais. Nous avons dormi ici, à la belle époque. Ouais. Vous vous souvenez qu'on a ramené l'arme qui a tué votre frère? Ah oui, mais bien sûr, vous êtes les bienvenus, et, vous voulez... Oui. Et c'est grâce à nous... Et j'ai tué votre ambassadrice aussi. Que Aïrem, le prince d'Aria, qui combattait contre vous, est tombé dans un piège grâce à nous. Mm-hmm. Tant de choses. Et maintenant, c'est maintenant nous qui avons besoin de vous. Puisque nous allons combattre en Osmanli. Avant que... La terre soit ravagée par l'armée qui arrive. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le pire des dieux. On a besoin de soldats. De soldats? Mais comment on va aller jusqu'en Osmanli? Par les miroirs. Tamerlan, quoi. Tamerlan a tous les pouvoirs. Vous avez de très bonnes relations avec Kniga, il vous dit ok, je vous donne 1000 hommes. Avec Kniga, ça tombe bien. On avec est Akaba, pardon. Ok, je vous donne 1000 hommes. Il nous donne 1000 hommes de Kniga. Ils sont malins à Kniga. Il nous donne 1000 hommes. On est d'accord. Il nous donne 1000 hommes. C'est celui où peut-être on a les meilleures relations. On est mal barre pour les 10 000. Hein, je vous dis tout. Peut-être qu'Aria nous en donnera en plus. Donc vous revenez de l'autre côté. Où est-ce que vous voulez aller ensuite? On peut faire Aria comme ça. C'est... Bah, c'était mais pas Aria, bête, les mônes qu'on a libérés. Ils vont être chauds. C'était pas con ce que tu disais. Les mônes, oui, on peut aller à Aria, mais Aria, ils ont pratiquement pas d'armée puisque. Mais on avait recruté des mecs, non? Quand on avait alloué le budget. Ouais. Oui, donc il y en a. Aria. Je sais plus combien. Aria, Paimon. On va à Aria. On peut aller à Aria. Vous allez à Aria. Alors... Et vous entrez directement pareil dans le palais. La reine Anna est assise sur son trône. Et elle vous dit, mais bonjour! Mais alors, ça y est, vous avez récupéré la couronne? Qu'est-ce que c'est ce miroir-là? J'ai pas été mis au courant. D'où vous sortez exactement? Ce miroir appartient à Tamerlan. Donc, le dragon? Le très grand mage de Tamerlan, dragon, mm-hmm. C'est ça. Et alors? Et il nous permet de communiquer avec vous, en fait. Et de tous les dirigeants des différents continents aussi. Ah, ça peut être pratique, ça. Qu'est-ce qui vous amène? On est pas avec les Akaba, là. On est actuellement sur le point d'oxyre le dieu ennemi. Et nous avons besoin d'hommes. Et de femmes. D'éliminer la reine Oriane qui est en train de prévoir une armée pour raser Arya. Bon.
Oui. Ah, il prend tout le monde, là. D'accord. Il nous fait tout le monde pour l'assaut final. Y a pas de souci. Essayez de pas la tuer, quand même. Et en tout cas... On fait ce qu'on peut. C'est pas nous qui allons la tuer. La reine Anna vous donne 1000 hommes. Super. Y a pas moins radin dans les souverains, quelque part. Par contre, reine Anna, si je puis me permettre... Il y a peut-être une grande araignée qui va s'installer dans un coin. Essayez de prévenir vos sujets de ne pas s'approcher. D'accord, mon cher Hansenberg. À bientôt. À bientôt. On peut. Alors, on va au Paimon. Ok. Donc, vous arrivez au Paimon. Pareil, Mona, maintenant. Elle s'appelait Mona ? Oui. Mona est sur le trône. Il y a la petite 19 qui est là, à côté d'elle aussi. Et qui est toute contente de vous voir. Vous me dites rien pourtant, vous avez le même nom quoi. Et Mona vous dit toujours la même surprise, hein. Que c'est que ce miroir et que voulez-vous bah, toujours la même réponse. Le dragon, tout ça. Le champion. Ok, vous avez d'excellentes relations avec Mona, elle vous donne 1000 hommes. Est-ce que du coup, ils ont pas 2000 vu qu'ils sont super forts en fait? Non. Mais je sais où on peut aller. Deux endroits où on a toutes nos chances. On peut... on va à... Bah, à Tabianca. À Esperanza. Ouais, Esperanza. On essaye de recruter des pirates. Hein. Bah, à Tabianca, on n'est pas très clair non plus. Moi, je suis à Tabianca. Ouais. Hein ? Oui, ils ont réétabli un camp, ils ont dit, quand on était à Sanacalé. Mais ils auront jamais 1000 hommes. Ah bah, ils en ont peut-être 500. Hein. Je me demande qui est le nouveau commandant, par contre. Mais c'est toujours... Kairis. Kairis, c'est... Comment ça s'appelle? À Sanacalé, on m'a dit que non. Mais c'était à Sanacalé parce que c'était les dissidents. Mais t'inquiète pas. En tout cas, on va pas à Sanacalé recruter des hommes. Et par contre, on peut aller à Biga. À Esperanza. Esperanza. Vous arrivez à Esperanza, effectivement, y a Kaina qui est là. Elle dit « Ah, ben, il sert à ça ce miroir, je l'avais récupéré, il était explosé dans le machin de l'ancien corbeau noir, là. Et je sais pas pourquoi, ça c'était toujours debout, je l'avais récupéré. Et du coup, il y a des gens qui peuvent en sortir, ben, bonjour. » Salut Kaina. Salut, ça va? Pourquoi vous êtes là? Vous voyez, j'ai bien reconstruit depuis... Seiden, vas-y, dealer, toi. Et j'ai une question. Oui. Pourquoi t'es pas reconnu partout comme étant Corbeau Noir? Ah, mais ça, en fait... C'est commencé, Seiden. Les hommes sont un peu cons. Donc du coup, il y en a, ils disent « Ouais, Kaina, c'est une femme, le Corbeau Noir, tout ça, tout ça. » Et du coup, ils sont partis... avec un homme qui trouvait plus légitime que moi, mais t'inquiète pas. Oh bah faut pas s'inquiéter. Ah bah, t'inquiète pas, là dernièrement il a eu quelques problèmes. À 8, le rotinoir la... peut-être, pour s'appeler, mais sinon... Écoute, la magie, c'est instable. Kaina, on est sur une très grande quête actuellement. On essaye d'abattre le dieu ennemi et on a besoin d'hommes pour nous aider. On a besoin d'une armée. Et de femmes. Et de femmes. N'en dis pas plus, Rebecca. Tu sais bien que je ne peux rien te refuser. Et puis, en plus, c'était la quête de ma sœur. Donc, Kaina vous donne 1000 hommes. Kaina? Oui. Bam. Je tiens à te le dire, parce que je ne sais pas si tu es déjà au courant, mais ta sœur est décédée. Oui, je l'ai su. Je suis vraiment désolé pour toi. Bon, on va vous laisser. Rebecca reste avec Kaina. Les autres, que faites-vous? Oui, on va à Biga. Avec Kaina. On va voir le Khan. Non, j'ai dit, on se verra bientôt, t'inquiète. Tel Aragorn, on va soulever les morts. Effectivement, Biga, je vous passe le discours. Hein, il vous dit... Si je me souvenais de la réplique, mais nous vous aiderons, je ne sais plus exactement. Et les morts vous aideront. 1000 hommes, 1000 morts.
Bon, c'est pas mal, ça. Du coup, ça Laura, fait 3... 4000 5000. 5000. Là, je sais, on peut Quand aller, vous revenez dans la pièce des miroirs, il y a un miroir qui est... Remarquez qu'il y a un miroir qui est plus grand que les autres. C'est lequel, celui-là, Tamerlan? Ah, celui-là, il est très spécial. Il vous envoie chez les dieux. Oh. On pourra aller chez les dieux. Après, en dernier. Dieux. Ouais. Parce que moi, j'irais bien... Demander à Ina. Ina? Peut-être qu'elle pourrait nous aider. Non, bah après, on va demander à plein de dieux. On a plein de dieux dans notre poche. On peut avoir des araignées qui nous aident. Non, où il y avait la bibliothèque, là. Comment c'est... À Rideau. Rideau. Ouais, eux Rideau. C'est Aria. C'est Aria. Ah, c'est Aria. Bah après, autrement, on peut aller à Knika, mais... Bah, reste à Knika. Il vous reste Knika. Le prince, il est pas si mal que ça avec nous. Hein. Ouais, c'est Niga, Alta Bianca, c'est évadé et tout ça. Alta Bianca, ouais, mais ça, il sait pas vraiment que c'est nous. Alta Bianca, si, on pourrait. De toute façon, on a mis Anna. Alta Bianca, on est bien. Ouais, ouais. Non, ils pensent que si on leur a volé leur vin, c'est Anna qui leur a. Qui oui, mais depuis. Attends, tu parles de Pinuche. Depuis, on a mis Anna et on leur a promis un grand banquet et tout, ils étaient tout contents. Où allez-vous en premier? Ah, on tente, de toute façon, faut tenter. Tenter ouais, quoi ouais. Alta Bianca, peut-être. Alta Bianca. Allez. Vous arrivez à Alta Bianca. Donc, c'est le prince dont je ne me souviens plus le nom. Qui, pareil, il est surpris de vous voir. Il vous dit, vous connaissez, vous étiez pas là au mariage? C'est grâce à nous que Anna est reine maintenant. Vous saviez ça? Une bonne reine. Oui, la reine des reines, oui, Anna. J'aurais préféré la garder ici, mais... Oui. Bah, elle est plus utile en tant que reine. Et maintenant, elle a beaucoup... Et moi-même, je suis une citoyenne altabianquaise. Ah, mais attendez, je vous... Viens de vous, c'est vous qui avez... Je me suis marié le même jour que vous. Et oui, c'est vous qui m'avez parlé, et pendant ce temps-là, il s'est passé un truc et mon livre a disparu. Garde est... Garde Bah justement, tiens. On saute par le miroir. Oh, tout ça pour une histoire de vin. On peut lui piquer une grappe de raisin comme ça en partant, quand même. Bon, Kniga. Vous n'aurez pas mis l'homme d'Alta Bianca. Kniga. Pas faux de l'avoir dit. La Kniga, on va se barrer aussi. Hein. Ouais, moi, je marche, mais derrière. Non, mais peut-être que le prince... Vous arrivez dans la chambre du prince Tieste de Kniga, qui est en train de jouer aux échecs avec son pote. Lui, il est toujours là. Hein. Toujours. Il est tout nu? Non, il est habillé pour l'instant. Ah, c'est le début de soirée. Et il vous dit, ah, bah, vous, ici? Quelle surprise. Bah, voilà. Ouais, ça fait un moment qu'on ne sait pas. Et dites, c'est pas mal ce que vous avez fait la dernière fois, là. Ouais, énorme. Bah vous avez essayé de tuer un mec du petit prince là. J'ai appris. Oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. Bah on en a tué un d'ailleurs. Vous l'avez tué d'ailleurs. C'est franchement oui. Depuis c'est qu'il est plus pas. Là. Tout pas. Tu l'es tout je pas. Sais pas ce que c'est. Ouais. Mais en tout cas depuis qu'il est plus là, le prince a perdu beaucoup d'influence. Je vous remercie grâce à et vous. Oui. Je suis vraiment bien. Et vous voulez gagner encore plus en influence? On a une solution. Ouais, dites-moi. Et faire payer ceux qui vous doivent des millions de... La reine Oriane. Ok, dites-moi. Tu vois que... L'armée va venir d'Osmanli et va tout raser. Et on a besoin d'hommes. Et de... 19, tu vois... Désolé, c'est vieux, mais je me souviens plus de son prénom, du coup... Tu vois le mec que vous avez, que les autres ont transformé en Tulpa. Tu l'avais pas repéré jusque-là, il est à... Il sort de derrière le prince et lui, quand tu dis ça, il lui murmure quelque chose à l'oreille et le prince il dit « Oh, je sais pas si j'ai envie d'envoyer mes hommes en Osmanli. » Et tu vois bien sûr que ce mec brille en vert. Allez, fais, je te dis convaincre. Est-ce que je peux pas jouer un petit morceau de Kalimba? Sur qui? Sur le prince. Ah, j'hésite. Sur tous ceux qui peuvent entendre.
Faut que tu cibles quelqu'un. Tout le monde entendra, mais celui que tu veux manipuler, faut que tu le cibles. Bah, c'est le roi. Oui, mais peut-être que ça pourrait l'occuper si on tue le tout pas discrètement pendant ce temps-là. Discrètement, ça va être chaud là quand même. Bon, allez, sur le roi en tout. Ok, vas-y. Et est-ce qu'il faut pas qu'on tue le tout pas de toute manière? Il va pas prévenir son maître que de notre. Non, ils savent. Ils savent. T'as Tienz qui dit non, vraiment, j'ai vraiment pas envie d'envoyer mes hommes en Osmanli, c'est loin, l'Osmanli, nous on risque rien. Écoutez, messire, si votre grandeur se laisse manipuler par des hommes qui n'ont pas forcément bon réflexe, je ne pense pas que vous êtes aussi crédule, je pense. Mais je me laisse de vous laisser convaincre. Et pourquoi votre proposition serait mieux que... Mais attendez, c'est grâce à vous que cet homme est à mes côtés. C'est quelqu'un de bien. Oui, mais justement. Non, ce n'est pas quelqu'un de bien. Méfiez-vous-en. Comme de la peste. Eh bien, je m'en méfierai à l'avenir. Allez, merci. Et à l'avenir de quoi? Il n'y a pas d'avenir si vous ne nous aidez pas. Oh, ça, c'est vous qui le dites. On est loin, on a de quoi se protéger. Ouais, c'est nous qui... Ouais, on apparaît à travers un miroir qui n'a pas été activé depuis des milliers d'années. Ouais, peut-être que je vais l'enterrer, ce miroir, parce que ça me plaît pas qu'on puisse rentrer dans ma chambre comme ça. Vous avez pas toujours dit ça. Ça va être très bon. Pas mal. En tout cas, vous n'aurez pas 1000 hommes de Knig. Bon. De toute façon, c'est les fumiers avec les gars. Est-ce que... Il y a combien, là ? Pas... Les comment ? Ceux où le peuple... qu'on a parlé il y a longtemps, là. Qui parle en claquant les langues, là. Panotti ? Est-ce que les Panotti... Il y a un miroir vers les Panotti ou pas ? Oui. Les Panotti, on peut. Ah bah, quand même. Non, on peut essayer les Panotti. Il faut qu'ils aillent venger leur frère. Tombé. Vous arrivez chez les Panotti. Tu leur expliques la situation, Rebecca. Il va falloir les convaincre. Ok. T'avais un peu lié un petit lien avec eux. On est à 8000 là, de toute façon, et non plus que deux. Vous aurez 1000 Panotti. Vous êtes à 6000. Je les remercie. Vous reste Varna. Ah, j'étais. Hein. 6000. Il vous reste... On va tenter Varna, mais Varna va falloir négocier dur. Et puis... Bon, après, Varna, c'est le premier mur. Hein. Donc... Si ça pète, c'est chez eux. On peut leur dire que ça va pas tarder et qu'il va nous falloir des hommes. De toute façon, ouais. Et puis si... Ça va être... C'est eux les premiers sur le chemin. Hein. C'est pareil. Lui, en fait... Lui, faudra négocier. Ouais, il veut bien Axar. Déjà, il voit que vous dites la vérité, vu que son épée ne brille pas. Donc, il sent bien qu'il y a vraiment du danger, mais lui, il est occupé par son mur et sa frontière. Donc, il va falloir le convaincre aussi. Est-ce mais, qu'avec l'arc... Moi, j'ai plus 10, mais j'ai déjà 90, donc... Ouais, mais t'as moins 20. Donc, moins 10 à l'arc. Ok. Lui se soucie vraiment de ses frontières en premier. Vous avez 1000 hommes de Varna. Vous êtes à 7000. Bon bah les dieux, ils vont nous filer 3000 et puis voilà, c'est réglé. Il reste pas un endroit où on pourrait aller en choper? Je cherche, je réfléchis. Parce qu'après on a vu d'autres villes, mais c'était que des petits villages, donc... Oui, parce qu'à un moment... La côte d'Aria, en fait, on avait fait. C'est des petits bleds, ça. Non, ouais, ça c'est rien. Après, on peut recruter, comment elle s'appelle, Sophie ? Julia. Non, Julia. Mais parce qu'elle toute seule, elle en vaut mieux. C'est Aria aussi, de toute façon, c'est Rideau. Oui, mais c'est une personne d'exception.
Ah non, je vois pas d'autres pays. Il y a le pays blanc, mais je crois pas qu'il... Je crois que dernièrement... Je suis pas sûr qu'il soit très content de nous. Il y avait Sanacalé, il n'y a plus personne. Oui, il y avait Sanacalé. On aurait pu bien tomber, mais non. Et puis, en dernier, ben... Et Irem ? Non, bah non. Ah, Irem, il n'y a personne. Vous avez fait tous les lieux... Tous les lieux de la campagne. Et les Nock, dernièrement, ils ont un problème d'araignée. Les Nock. Donc, ils devraient sculpter pendant le combat. Sculpter pendant le combat, ça marche pas. On va voir les dieux. Peut-être que chaque dieu pourrait nous donner quelque chose. Donc, vous passez le plus grand des miroirs et vous arrivez dans une immense salle, une pièce intérieure vaste comme une plaine. Au loin, hautes comme des montagnes, des colonnes supportent un plafond de marbre qui se perd dans les nuages. Devant vous, immenses, se tiennent assises sur une chaîne de montagnes, les silhouettes gigantesques des dieux. Vous êtes des fourmis face à eux, mais leurs yeux vous voient. Ils sont contrariés que des mortels aient ainsi pénétré leur sanctuaire. Vous n'êtes pas Tamerlan, seul autorisé à franchir cette porte. Vous reconnaissez plusieurs dieux. Vous reconnaissez Inna. Vous reconnaissez le dieu ennemi. Vous reconnaissez le dieu exilé. Vous reconnaissez l'araignée, qui est là aussi. Enlil. Je crois que c'est toi, 19, tu reconnais Joyper, le dieu du pain. bref. Et il y en a d'autres, par contre, que vous avez jamais vus. Le dieu de la sagesse, peut-être, aussi. Le dieu de la sagesse. Et du coup, je me présente, en tout cas. Je dis... Bonjour, chers dieux et déesses. Nous sommes de simples aventuriers qui avons soif de justice. Et... Des aventuriers arrogants. Vous ne vous agenouillez même pas devant nous. Bah si, j'ai fait une révérence. Oh. Bah moi je te fais la carte. Moi, je pense que je suis... Je me mets à genoux. Attends, les mecs, ils sont en haut d'une montagne et tout. C'est pas agenouillé. Moi, je suis à plat, quoi. Je suis là. C'est quel dieu qui dit qu'on est arrogant ? Un peu tous. Un peu tous ? Même Inna ? Non. Voilà. Un dieu que tu connais pas, qui a l'air un peu... Un peu rabougri, ouais. Voilà. D'accord. Le dieu des raisins secs. Nous présentons face à vous humblement et nous demandons votre aide. Nous avons besoin de forts guerriers pour abattre le dieu ennemi. Et il est là, hein. Attention. Non, il n'est pas là. Il est là. Ah, il est là. C'est un dieu. Ah, donc il est là aussi. Oui. Mais tout le monde le déteste. Non, c'est un dieu. Je pensais que vu qu'il était bon. Excellent. Je ne sais pas qu'il était là, ça va. Nous voulons rétablir la paix. Et vous n'êtes pas sans savoir que la paix ne règne pas sur les continents tant que le mal fera rage. Vous avez besoin de quoi ? De force guerrière. Eh bien, nous allons voter. Le dieu ennemi se lève. Et... On a le vote de l'araignée, c'est sûr. Il vote contre. Ah, c'est bizarre. Bizarrement. Il est pas complètement con, déjà, c'est je bien. Je lâche un petit rire et je regarde Inna, je fais... Le dieu araignée... La déesse araignée, pardon. Elle vote pour... Et elle dit, ouais. S'il y a de la baston, je serai là. C'est rempli de sagesse. Okay. À chaque réponse positive, je regarde la tête du dieu ennemi, en fait. Khalil, le dieu de la vengeance et de la destruction, vote pour. Il dit, cette bande d'aventuriers, ils ont un peu semé le chaos partout où ils sont passés. Je suis avec eux.
Ah, finalement, mes massacres, ils ont pas été inutiles. Enlil, le dieu du vent, vote pour. Est-ce que vous l'avez... Je fais une révérence et je dis... Je prierai pour vous. Le dieu exilé vote pour. C'est sûr. C'est marrant de dire ça à des dieux. Je prierai pour vous. Le dieu de la sagesse vote contre. Ah bon ? Ouais, oh, on avait fait du pain pour vous. Oui, mais j'avais confié une mission à quelqu'un qui n'est plus avec vous et elle n'a pas été remplie. Ah bon ? Ouais. Elle est morte, hein. Ouais. C'est comme ça. Ina, elle réfléchit longuement. Parce que elle trouve que vous avez fait des actions qui sont pas vraiment en concordance avec son culte. Oh, pas tous quand même. On a sauvé les enfants à Arya, c'était sa demande. On a sauvé son frère, c'était sa demande. Quand elle nous demande des trucs, on les fait. Elle a qu'à nous demander de pas tuer les gens de Sanakal. Elle vous dit, est-ce que on t'est tué la reine? Non. Alors on nous a demandé de la garder en vie. Cela ne fait pas partie de notre quête de... Il faut qu'elle reste en vie. Mentir, convaincre. Ah bah non, c'est vrai. Ah non, il y a convaincre. On va l'appeler convaincre, mentir. Est-ce que j'ai un bonus vu qu'elle m'aime bien? Ouf, j'ai sauvé son frère quand même. Hein. Alors techniquement, tu n'étais pas là. T'étais pas là, t'étais mort. On a sauvé oui, mais c'est moi qui ai réussi à trouver le nom, alors calmez-vous, hein. Ina vote contre. On n'a pas réussi à la convaincre. Bah si, il est passé. 92. Non, le 18. Non, le 18 c'était avant, là t'as fait 92. Ah oui, merde. Oh, fais chier. Oh là là, comment elle tente de Crujax. Le 92, au meilleur moment. Le dieu Gobi. Le dieu du pain. Non, le dieu Gobi, le dieu des voleurs. Ah, je vais donner du fric. Je reconnais une de mes disciples, bien sûr que je vote pour. La déesse Mon vote pour. Ah bah elle est là, Mon. Oui. Mais c'est pas Mona, alors? Non, c'est la déesse Mon. Ah. Elle vote pour. Vous ressemblez à quelqu'un que je connais. Descendante. C'est pour ça. Et on a sauvé son pays, quand même. Oui. Vous avez libéré son pays, du coup, elle vote pour. Joyper, le dieu du pain. Il dit, bon, je vais voter pour toi, 19, mais tu pourrais essayer de bénir un peu plus de miches. Ça fait un moment que t'as pas... Hein, je cherche que les belles miches. Ouais. Ça serait bien de remettre un petit coup de collier, là. Bon. Le passeur des morts. Il vote pour vous, vu que vous avez abattu presque juste. Et puis on lui donne du boulot, dernièrement. Ouais, pas faute de lui avoir donné mon âme. Et donc, avec ça, vous vous retrouvez avec une écrasante majorité. Et vous voyez Khalil, le dieu de la guerre, de la vengeance et de la destruction, qui se lève dans toute sa gloire. Il est vêtu d'une armure, une armure dorée. Il a une épée qui doit faire la taille d'une montagne. Il dit « Je me joindrai au combat ». Le dieu Khalil vaut 3000 hommes. Et on a la déesse araignée qui a dit qu'elle venait. La déesse araignée, elle vient, mais elle a pas dit qu'elle combattrait pour vous. Le dieu ennemi. Comment il réagit? Elle vient pique-niquer, elle. Non, mais elle fera des toiles, ça va bloquer les ennemis. Khalil, je le connais, c'est ma main gauche. Comment les dieux ils réagissent face au dieu ennemi, en fait? Bah, ils réagissent, c'est un des dieux du Panthéon, c'est tout. Ah oui, c'est le tonton un peu chiant, quoi, du repas. Oui, mais personne ne l'aime, en fait, puisque il... Personne ne l'aime, mais il est là, c'est un dieu comme les autres. C'est comme c'est comme Hadès dans Hercule, tu vois. Il l'aime pas trop, oui. Mais c'est un dieu. Bah, Hadès, c'est quand même le dieu des morts aussi, donc il a son utilité. C'est vrai que le dieu ennemi, il est dieu de quoi, en fait? Comme la déesse araignée. De la fourberie. C'est le dieu de la fourberie. C'est plus la déesse araignée. Le dieu ennemi, c'est le dieu de la fourberie. Et c'est celui qui veut régner sur les humains. Ouais, les dieux, ça les concerne pas vraiment, votre combat. En vrai, que ça soit le dieu ennemi qui règne sur vous ou des humains...
Bah, il y aura peut-être moins de miches pour le dieu du pain. C'est vrai. Ah, il faut bien nourrir même les Osmaniens. Ah, par contre, Ina, je la retiens. C'est clair. Ouais, ouais. Je mais vous avez... Il n'y a pas une déesse de la luxure pour avoir un vote de plus parce qu'avec tout, et des options en plus parce qu'avec tous les lupanards et les trucs qu'on a fait, les soirées d'orgie, ça compte pas, ça? Non. Bon. Ah, d'accord. Quel dommage. Parce que là, je pense que Heisenberg, il aurait brillé. Ah, mais là, c'est pas quelqu'un qui... D'ailleurs, j'ai pas rajouté vos visages. Je me suis pas refait tatouer vos visages. Là. J'ai toujours que Kairis et 19. Merde. Vous revenez chez Tamerlan. Vous êtes maintenant à la tête d'une armée de 10 000 en comptant Khalil. On n'a pas 11 000 ? Ben non, on a 7 000 hommes et un dieu. Ah oui. Et un dieu de la guerre. Après, il va faire. Ceux qui vont être à côté de lui, ils vont être contents quand même, je pense. Ils vont avoir plus de cœur à l'ouvrage. Est-ce que vous lancez l'attaque surprise ? Ah, surprise ! Alors, comment dire ? À mon avis, je doute un peu qu'on arrive, hein. Ouais, vous allez tous sortir. En fait, c'est un peu pour ceux qui ont vu Endgame. Vous allez tous sortir de miroir et vous allez déferler sur. Comme l'armée. Dans Avengers. Ça. Ben ouais, on y va, non? Allez, c'est parti. C'est le moment, bordel. Quand il faut y aller, faut y aller. Liberté. Vous passez le miroir de Tamerlan pour Tansanli. Vous arrivez sur une terre noire, sous un ciel noir, obscurci par les cendres d'un grand volcan en activité. En face j'ai au moins aussi quelques flèches, par contre. Sur les pentes duquel coulent des rivières de lave. Entre deux rivières de lave, accrochées au sommet du cratère, vous voyez une somptueuse forteresse. Mais de nombreuses troupes ennemies obstruent le passage entre elle et vous. Soldats, humains, Mélanassi, elfes noirs, démons, fantômes, phénix, tortues collines et seigneurs du feu tournent leur regard sur vous. Vos armées innombrables, ainsi que le dieu Khalil que vous voyez apparaître au milieu de tout ça, il fait un ravage, chaque coup d'épée, des centaines d'hommes qui meurent, déferlent par les miroirs et viennent engloutir les troupes ennemies. Vous voyez aussi la déesse araignée qui mange tout ce qui passe. Elle a pas épuisé. Elle n'est pas. Elle choisit en fait, pas. Elle c'est buffet à volonté quoi. Qui est en éclaireuse. En quelques heures, le plus gros de la dernière défense d'Oriane est tombé. Les seigneurs du feu ont été balayés, les phénix abattus. Les survivants se replient dans l'Osmanlie sauvage. Les généraux se tournent vers vous et vous montrent le chemin vers le palais au sommet du volcan. Il reste encore un ennemi à anéantir pour mettre fin à cette longue quête. Entre vous et le palais, il reste juste une rivière de lave à franchir. Une rivière de lave. Bah, je vole. Bah, toi, t'es de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des rochers ou autres à côté genre gros bloc de rochers. C'est une grande main comme ça. Oui, il y a des rochers. Genre... Alors, je vais utiliser mon... j'ai un 10 de carreau. Ouais. Ça peut faire s'écrouler un mur, donc je suppose que je vais faire écrouler les rochers dedans pour faire un pont. Tu peux faire un pont. Alors, je vais faire un pont. Tu balances 10 ton 10 carreau, de carreau, je repioche une autre carte. Vas-y. Et... voilà, j'appelle mon grand-père avec le 6 de pique juste pour lui dire bonjour et. et je pioche deux cartes. Parce qu'un 6 de pique, je vois pas ce que je peux foutre. Il a peut-être gavé d'infos, ton grand-père, en vrai. J'ai un as de pique, en vrai, on peut. Ah, là, ça sera le moment. Hein. Tu peux relever tout le de la main. Il y a eu des morts. En plus, il y a tous les fantômes là qui nous suivent. C'est clair. Tu as pioché un 4 de pique. Oh là là. Appelle ton arrière-grand-père. C'est clair. Deuxième 3. Et un 2 de carreau. Eh ah ben oui, wow. Oui. T'as pioché de très bonnes cartes jusqu'à maintenant. Il y aura forcément des pourries. Bah je les jette. Hein. Je peux rien faire avec.
Vraiment... Reine de cœur. C'est Anna sur la carte. Et 8 de carreau. Allez, va avec ça. Reine de cœur, je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec, meuf. Faire tomber amoureux le dieu ennemi. Donc vous franchissez la rivière de lave et vous entrez dans le palais. Et vide, et vos pas résonnent dans les immenses antichambres somptueuses, éclairées par la lumière de la lave, entrant au travers les baies vitrées. Vous montez encore et encore, et vous arrivez dans une immense salle du trône, sous un dôme transparent donnant sur l'ensemble de l'Osmanie. Gonen, alias Lancelar, Canyon des Larmes, Désert de Biga, Sanakale, et même le mur de Varna, vous voyez tout de cette haute position. C'était un long chemin, mais vous l'avez fait. Entouré de fleurs et de trésors, un trône d'ivoire et d'or domine le centre de la salle. Oriane s'y tient, la tête sainte de la couronne du roi des rois. Derrière elle, à demi cachée par le trône, Zoltan, l'archiprêtre du dieu exilé, le visage portant un masque blanc, vous regarde. La reine vous pointe du doigt. Bienvenue devant moi, agenouillez-vous, agenouillez-vous et prêtez donc serment d'allégeance. Jamais! Et je bande mon arc et je tire sur l'archevêque. C'est celui que tu peux avec pas tuer. Des flèches wandre. Ça marchera pas sur lui. Non, ça marchera pas sur lui. Mais tu peux. Bah si, c'est wandre bah non. De 19. Bah non, c'est le dieu. C'est les seuls doigts. On sait jamais, des fois ça peut marcher. Par contre, moi, pour le coup, j'utilise ma reine de cœur. Pour l'instant. Pour, oui. J'ai armé la reine. Et je lui dis, non, c'est votre conseiller qui est l'ennemi. Rejoignez-nous. Et la reine est totalement subjuguée par toi. Et effectivement, elle se lève de son trône. Elle vous rejoint et elle se tient face à Zoltan avec vous. Elle dit, c'est l'ennemi, il faut le tuer, allons-y. Non, vous... allez. Allez, prends la couronne. Je prends la couronne. Tu lui prends la couronne. Elle n'oppose aucune résistance avec une reine de cœur. Maintenant, c'est votre ami pour la vie. Voilà. Vous êtes face à Zoltan. C'est pour une nouvelle carte. Hein. Oh. Une nouvelle carte. C'est un 8 de cœur, je crois. Non, mais là, on voit... Sans l'épée. Vous êtes face à Zoltan qui commence à... qui vous regarde et qui vous dit « Non mais écoutez, on peut s'arranger. Moi, je peux vous donner des immenses pouvoirs. » Ok, d'accord, on est avec lui. Si vous me suivez, on règnera sur le monde, tous ensemble. Pensez vraiment que c'est une solution? Bien sûr que c'est une solution. Sors ton épée, 19, de cette merde. Qu'est-ce que vous faites? Je peux pas le tuer avec mon arc, donc... Pousse 19 dans le dos. Il voit que... Je fais danse de l'ombre. Pour essayer de... arriver derrière lui et de le frapper. Vas-y. Avec l'épée. Bon. C'est beau. 19 disparaît. Réapparaît devant Zoltan. Et dis-moi. Bah, je le frappe. Ouais, avec l'épée. Décris-moi comment tu fais ça. J'arrive et puis. Je lui plante. Je tente de lui planter l'épée dans le sternum. Et. En lui disant. À notre première rencontre, vous m'aviez dit certains mots qui m'avaient déplu. Tu abats ton épée. Un seul coup suffit à le tuer. Zoltan, le dieu ennemi, s'écroule. Oh, c'est pas marrant. C'était pas un combattant. Quelqu'un qui manipulait. Le dieu ennemi s'écroule. Vous avez libéré le monde. Vous avez sauvé le monde. C'est une victoire totale. Et c'est la fin de la campagne. Wow, félicitations.
Il reste peut-être une grosse araignée quelque part, hein, ceci dit. Waouh. C'était ma toute première campagne avec vous. Maintenant, il vous reste juste à... Donc, est-ce que... Cette question, est-ce que vous confirmez Anna en reine des rois, vous lui apportez la couronne? Ah oui, quand même. Ah oui. On lui ramène Oriane aussi, vivante. Ouais. Mais... pour vous récompenser, le dieu exilé vous offre le choix de ressusciter une personne chacun. Ah. Est-ce que vous avez une idée? Ou est-ce que ça vous intéresse pas? Bah, si. Une personne chacun? Oui. Le dieu ennemi. La campagne recommence. Et c'était pour ça que tout... qu'il y avait un cycle de... Ah, c'est ça. C'est moi, j'ai choisi... Je choisis de ressusciter la princesse Panotti. Tiens, je suis surprise. Ok, bah, pas de soucis, il l'a fait revenir. Les autres? Tu ressuscites pas Kaina? Elle est pas morte. Oh, Kaina, elle est pas morte. Kairis, je veux dire. Ah oui, pardon. Oula. Elle ne reconnaît pas, Kairis. Ah non. Pour moi, c'est Cuber Kaya. Je voudrais bien ressusciter le frère de... du roi d'Akaba, là, non? Celui qui était sympa, qu'on avait suivi avec son... Non, c'est le fils, Moussa. Moussa. Le fils du sultan. Mon cœur balance entre... qui va me ressusciter. On s'est enfin rattrapé, c'est sûr, Moussa. Non, mais le temps. Ouais, j'hésite, je me disais peut-être ramener Laura, puis former la Dream Team avec Onyx Fen et aller botter du Kraken et du dragon. Ramener Laura qui est Iris, puis c'est terminé. Il reste un choix à Saiden et à 19. Ah, moi j'attends que Saiden se décide. Moi j'avais mon idée en fait. Moi, je vais pas changer. J'avais mon idée. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi ça change quelque chose ce que je vais décider? Enfin oui, sauf si tu choisis la même personne. Je ressuscite Kairis avec des ailes. Non, je suis désolée, mais je crois que je vais ressusciter Laura parce que j'ai beaucoup trop d'aventures à vivre avec, avec tous ces gens. Si Onyx Fen l'accepte... Ok. On deviendrait... Onyx Fen est libéré, on lui a rien demandé. Hein. Non. Onyx Fen? Mais il est mort, Onyx Fen. Ah non, vous non l'avez il libéré. Se balade. Vous en devez une. Il avait une faveur. Ah oui. Mais son esprit, il est mort ou il est ressuscité? Non, lui, c'est vivant. Ah! Donc moi je ressuscite, effectivement, moi je vais ressusciter Kairis. Parce c'est plus, bien. Elle avait dit. Elle avait... Enfin, j'ai donné le nom à ma fille. Donc... Et on va partir de l'ordre du Discord, en haut à gauche. Saiden. Que devient Saiden? Tu peux tout inventer, hein, parce que vous êtes des héros maintenant. 19 encore plus que tout le monde, parce que c'est elle qui a tué le dieu ennemi, mais vous êtes des héros, donc dis-moi. Je suis rentrée pendant un moment chez mes parents, mais je me suis quand même vite ennuyée. Et du fait, je sais pas, hein, ça dépend de si les compagnons acceptent, mais... j'aurais proposé à Laura, je pense, et à Onyx Fen de partir chasser du monstre et vivre des aventures folles. Et puis, bien sûr, à la compagnie des rouages, ceux qui veulent nous rejoindre, nos soucis. Je ne peux pas parler pour Onyx Fen, mais je peux te parler pour Laura. Je la connais bien. Laura, tu es des monstres.
depuis le temps qu'elle rêvait de chasser le Kraken. Elle l'a toujours pas vu. Elle te suit jusqu'au bout de la terre. En plus, je connais une grosse araignée pour l'avoir. Cette fois, elle est grosse. Ça pourrait être une idée. Heisenberg, que deviens-tu ? Eh ben moi, je rentre et je reprends en main, évidemment, l'Académie d'Alchimie. Et je monte mon courant alchimique et j'essaye de faire des succursales comme ça sur Aria, tout ça, pour essayer de créer des collaborations entre les alchimistes, les magiciens et les créateurs d'automates, afin d'unir comme ça et de créer les premières universités des sciences réunies. D'accord. Est-ce que tu arrêtes la ségrégation, du coup, de la CNIGA ? Mais ça, c'est de la merde. Donc ça, j'étais déjà... De toute façon, le décret avait déjà été voté. Donc oui, je... Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aller encore plus loin maintenant, avec la Renana... Mais tout à fait. De toute façon, c'est pour ça que il y aura une collaboration verticale entre les niveaux des créateurs d'automates et les niveaux des alchimistes. Et ça suffit, ces ascenseurs réservés aux nobles. C'est de la merde. 19, que deviens-tu ? Alors, 19, c'est terrible. Parce que 19, en fait, va reprendre la route de l'Osmanli. Elle va passer par Varna. Va profiter pour remettre ses deux mains à Shazam. Ouais. Pour tenir sa promesse. Elle est passée dans le lac. Non. Elle va aller jusqu'au temple des morts. Et elle va passer la rivière des morts. Parce que 19, à l'origine, 19 ne voulait pas faire le mal. Et finalement, 19 est rongé, entre autres, par ce qu'elle a pu faire à Sana Kale, même à Esperanza. Et donc, 19 passe le fleuve des morts. D'accord. Et elle revient pas à Knika, justement, pour éviter de revoir dramatiquement, de revoir Kairis ou Doc Wolf. Les deux Kairis. Les deux Kairis. Bah si, l'autre Kairis, elle l'a vu. À moins que tu pompes à l'endroit que t'es mort, pouf, au milieu de l'académie de Kniga. La pyromane. Ok, voilà. L'héroïne. C'est moins gay, voilà. L'héroïne d'Aria aura disparu mystérieusement. Rebecca. Eh ben, pour Rebecca, je pense qu'elle va, aller à Esperanza. En fait, elle va continuer sa vie avec Kane. Hein. Enfermer une belle famille, et elle va botter le cul de tous ceux qui veulent pas la croire comme étant le Corbeau Noir. Et voyager avec elle, avoir encore d'autres aventures. Et pour Kairis, je pense que c'est... elle a vraiment réalisé qu'elle pouvait pas vivre sans ses amis. Alors du coup, elle va passer son temps avec Heisenberg, essayer de l'aider à monter son académie novatrice, passer du temps avec la petite Kairis, récupérer la petite qu'elle avait laissée au Paimon et la ramener avec Doug Wolf pour essayer qu'ils vivent heureux tous ensemble. Et puis voilà, ça sera sa vie, aider ses amis pour la vie, puisque c'est eux qui l'ont ramené. D'accord. Eh bien voilà, c'est ainsi que se conclut cette campagne. Merci à vous quatre. Merci à vous sur Twitch de nous avoir suivis ces soirées. Merci aussi à YouTube. Merci YouTube. On va voir ce qu'on fait pour la suite. C'est cool. Moi aussi, c'était ma première campagne en tant que MJ. Ouais, merci. Tu as régalé. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était vraiment cool. Tous ces petits messages et tout, c'est toujours cool. Et puis merci à toi, Eric, aussi, de nous avoir fait vivre cette aventure.
avec toi. Ça fait bizarre quand c'est. C'était trop cool. Ça, presque un manque, tu vois. C'est surtout qu'est-ce qu'on fait dans deux semaines. D'y revenir. C'est surtout ça la question. C'est qu'est-ce qu'on fait dans deux semaines. Ouais. C'est bien de finir la campagne. Refaire du Aria, je sais pas. Non, on va pas refaire du Aria à un moment. On va tout recommencer, mais cette fois on sera dans le camp du tué ennemi. Ouais. Je jouerai la reine Orienne. J'aime. Tu veux bien jouer au Nick Plain. Mais je jouerai la sorcière que ça. Cash. Ouais. Mais j'étais surpris. Moi, je pensais qu'on allait voir. C'était le corbeau noir. Ça, en tant que le dieu ennemi, j'étais persuadé que c'était que ça. Non, non. Moi, j'étais persuadé que c'était Sabine, le dieu exil. Pendant super longtemps. Tout ça parce que Erkep a dit une connerie alors qu'au moment où je suis arrivé, genre j'étais crédule. Ah oui, le petit Malice aussi, bah du coup il a retrouvé Kaeris, donc du coup il est content. Il parle tout le temps maintenant. Alors la prochaine fois, normalement dans deux semaines, ça sera du Alien. Alien, c'est pas vraiment. Là, c'est mon truc. C'est pas vraiment la même ambiance et ça sera un autre exercice pour moi. Mais alors, on va faire un one shot Alien avant de commencer autre chose sur. Normalement, il devrait y avoir une pause, oui, mon petit poney. Oui. J'ai une question. Oui. Ça concerne Alien. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs livres de jeux de rôle. Non. Il y en a qu'un. Il y a des de boîtes. Base et il y a des boîtes après, ouais. Il y a des boîtes, en fait. Bon, alors j'ai découvert un truc cool. Désolé, hein, je le glisse, mais genre sur Vinted, il y a des jeux de rôle d'occasion. Oui. Voilà, ouais. J'ai trouvé ça marrant. Je m'y attendais pas trop. Ah bah si. Et les boîtes, en général, les boîtes, tu vas pouvoir les trouver assez facilement d'occasion parce que c'est un seul scénario et donc il n'y a pas de rejouabilité. Ah, tout s'explique. Voilà. Tandis que le livre, c'est différent. Le livre, par contre, il n'y a pas de scénario. Enfin, il y a un scénario. Et par contre, c'est un livre de jeu de rôle. Ouais, après, Philou, pour finir ta question, sera la prochaine. Une prochaine campagne un peu longue, ça sera sur. Tales from the Loop. Mais tout est en pause, en fait. Ouais. Ouais, c'est un peu des questionnements, je pense. Yeah. Yeah. Pourquoi vous faites une pause comme ça, c'est... Ouais, c'est vrai. C'est toi qui parles. Oui. Il y en a qui partent trois semaines et après, ça crée des pauses. Ouais, Tales from the Loop, ça a l'air pas mal. Je l'ai reçu et... Bah maintenant, il va falloir que je bookine. Hein. C'est bon. Est-ce qu'il est beau? Il a l'air beau. Oui. Ouais. Oui. Okay. C'est pas mal de photos, tu sais plus quel artiste nordique là. Qui mélange des paysages avec des machines, des robots. Ouais, peut-être l'acheter alors. J'ai vu que la musique elle avait été faite par Philip Glass. Et je trouve ça super cool. Je crois que c'est mais c'est un artiste, un compositeur minimaliste. Et je sais pas en fait. Je pense que oui. Ça vous dit, on fait un truc là vite fait, avant de partir. On choisit genre le moment que vous avez préféré dans toute la campagne. Vas-y, dis-moi. On commence par moi ? Bah oui, c'est toi qui. Franchement, ça va peut-être être horrible, hein, mais la mort de Kaeris, ça a été vraiment. L'apogée, tu vois, de son pouvoir, et ça m'a. Ça m'a tué. Je ne pouvais pas faire autre chose que ça, tu vois. Genre...
Ça m'a... C'était vraiment le moment le plus touchant que j'ai vécu dans Aria. C'était pas loin aussi. C'est le moment du... après la mort de Kaelis, le procès et tout ça. Ah, le procès quand Rebecca que est arrivée. Que ça a été... justement, la mort de Laura et Kaelis en même temps, c'était pas prévu. Il y a eu ce moment où il a fallu préparer tout ce procès, ce machin. Et, c'est vachement bien pour moi. Ouais, ce côté où le un an après... Ouais. C'est cool. Alors moi, si je dois en choisir qu'un, hein, parce qu'il y en a plein, mais finalement, ça remonte très loin, puisque, je vais dire, c'est un moment, on est dans la forêt, on commence la campagne, l'arcade présente des bandits, là il se dit, tout va bien, et là, je lui dis, bah moi j'ai copain de Corbouille. Et c'est le premier jet de la campagne, je pense. Je crois qu'on n'a pas fait d'autres jets. Et ça doit être le tout premier jet de la campagne. Et ça commence déjà par Erkev qui se dit ah, oh, c'est la mouise, quoi. Ça va être long. ça va être l'enfer, quoi. Il commence. Et puis direct, ça m'a. Enfin, moi, ça m'a mis le truc pour. Voilà. Sur 19, comment la jouer. Donc. Enfin, voilà. S'il y avait deux moments que je choisirais pour 19, ça serait ça. Et pas longtemps après, le fait qu'elle prend de pleine main cette gemme, ça, c'est pareil, ça engendre plein de trucs. Donc, c'est des... Il y en a qui réfléchissent. Non, je sais pas. Il y a plein de trucs que j'ai bien aimé, c'est pas évident. J'ai bien aimé quand on était défoncé le tout, mais... Non, mais quand tout le monde était vraiment assez... Non, vous avez toujours fumé du tout, mais vous êtes toujours sorti. Mais nous, on a été vraiment mal à un moment avec Kairis. Ah bah oui, quand je parlais avec... Les saucisses. Merde, comment il s'appelle? Ça, c'était rigolo. Comment il s'appelait déjà le robot? Avec Fred, ouais, sur le port. Oh le retour dans le temps, la fuite de Knigast, c'était chouette. Effectivement, tout le truc avec le dragon, tout ça. Et quand tu... Là où j'étais pas là, d'ailleurs, quand tu crèves et que tu reviens et tout, c'était cool. Ouais, c'est ce que dit Anna. Là, je vois la mort de Nixpen et le transfert d'âme. Et c'est vrai que le coup, t'étais pas là, mais c'est toi qui avais donné l'idée. Le fameux Joker... Joker le fameux Joker au Paimon. C'est vrai que c'était le... Ouais, je pensais pas que t'allais le faire quand je dis ça, mais quand j'ai vu, j'ai en fait, après, en fait, tout est parti en cacahuète de nouveau. Et je me suis dit, c'est vrai, t'as le truc pour t'en sortir. Et puis tu sais que de toute façon, tout le problème est résolu. Donc finalement... Tout part en cacahuète, c'est un peu le thème de la campagne. Hein. Bon, mais même. Ouais. Il y a quelques la civilisations qui vous doivent la mort. Hein. Et Saiden. Ouais, c'était bien aussi. Saiden. Les pirates, avec les pirates, c'était cool aussi. Il y a eu plein de trucs cool. Saiden. Et nous, le moment. Je crois que j'ai bien aimé l'abordage du bateau tombeau de César Costa. Ah oui, avec les gosses. Ça, c'était très marrant. Et j'ai bien aimé aussi la douche de vin. C'était sympa aussi. Au tout début. Quand j'ai sauté de la falaise. Tu venais d'arriver. En vrai, j'avais trouvé ça super cool parce que j'étais genre méga stressée et je sentais trop que... Enfin... Vous étiez en train d'essayer de m'intégrer au jeu et tout, et en vrai, j'étais un peu touchée aussi, et c'était top. On fait le twist, genre le pire.
Vraiment le pire du pire. Le moment où tu te dis non mais là, là c'est pas possible. Sans hésiter, c'est quand Kairi ça tout fait péter quoi. J'étais oh là. On va où là? Ouais, quand on est passé le temple aussi, c'était pas mal. Mais voilà. Moi, je pense que le pire, c'est quand j'ai pas réussi à réanimer 19. Là, j'étais vraiment dégoûtée. Ouais, le petit coup de front, là, sympa. Tout ça pour une histoire de merde en plus, alors que je vous disais depuis le début qu'il fallait la laisser partir. J'étais, mais genre, j'en pouvais plus. J'étais au bout. Enfin bon, je sais pas. Il y en a qu'un qui a fait l'intégralité. Hein. Donc les conseils. Hein. C'est vrai. Le pire, finalement, c'est assez récent, mais ça n'a qu'à aller. En fait, je pense que quand sur le coup, j'ai dit je balance et j'ai pas réfléchi. Quoi. Enfin, comme d'hab avec 19. Quoi. et justement, c'est ça qui me fait un peu faire cette conclusion, parce que moi, enfin, pas 19, mais moi, ça m'a je me suis dit, ah non, j'aurais pas dû, enfin, autant que les pirates, ça m'avait pas dérangé, c'était parti en plus dans une espèce de hasard, en fait, c'était parti, le coup de vent, courant d'air qui avait fait une tornade, et puis tout était parti vraiment en cacahuète, et ça n'a calé, c'était vraiment, et pourtant, j'ai vu la perche hein, quand t'as dit toute la ville. Puis j'avais lancé. Hein, je dis ouais, toute la ville. Mais après la partie, j'ai dit ouais. J'aurais pas dû. Je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé dommage que ce soit si facile. Genre de moi, c'est pas le facile. C'est facile, c'est on en parle du Paynoc. c'est pas facile. C'est pas question de comment on a passé l'événement. C'est question de. En fait. D'avoir rasé une ville, quoi. Bonjour, j'ai rasé une ville. Ah, la magie des cartes est hyper puissante. Un as, mais d'ailleurs, il y en a, ils ont jamais utilisé leur as. Mais d'ailleurs, je dirais que c'est un peu décevant sur la campagne, mais peut-être parce qu'elle était finie. Tu vois, ce soir, finalement, la bataille, tu l'as fait jouer. Pourtant, tout le monde se dit « Ouais, j'ai un as, j'ai une épée qui tue tout, on peut déclencher des tempêtes, parce qu'on pouvait déclencher deux tempêtes et en arrêter deux, donc on pouvait... » Et au final, en fait, t'arrives et... Bah non. Et alors, bah, ça c'est de ma faute, c'est parce que... J'aime pas jouer les combats, mais t'as une option pour faire jouer plus de choses. Dans après, la je peux comprendre hein, les combats de masse. Enfin, dernièrement, j'en ai esquivé un. soit t'as le truc que je vous ai fait, donc t'as la résolution narrative, et t'as une option solution si vous voulez. Si on veut faire jouer des choses pendant la bataille. Moi, ça me. J'avais pas envie, vraiment. Je suis pas à l'aise là-dedans. J'ai jeté la pierre il y a pas longtemps. À Mutant, il y avait un combat de masse prévu. T'as bien vu comment je l'ai. Non, mais il y a quand même une petite échelle entre jeter les initiatives, les trucs d'attaque et tout, et faire un coup d'épée dans le du ennemi. C'est ça. T'es un peu coquin là quand tu dis ça. Oui. Ah non, mais le dieu ennemi, c'est. Ouais, c'est vrai que le dieu ennemi, ça reste un homme. Donc, il n'y a pas, enfin, ouais, y a pas de pouvoirs spéciaux en fait. De baston, en fait. Mais je sais quand ça, moi aussi, je m'attends, enfin, quand j'avais vu l'actual play, c'est pareil, tu vois. Ils s'attendent à avoir un combat final. Et en fait, il dit, bah non, il donne un coup d'épée, il meurt. Et il n'aura même pas fait faire de G, lui, tu vois. Ouais, parce que moi, quand j'ai pris la danse de l'ombre, je me suis dit, s'il y a un combat et qu'il y a deux ennemis, direct, je me suis dit, cette technique va me servir à ça. Quoi. Ouais. C'est pour ça que l'autre, tu commences à me parler, peut tuer. Je dis, c'est dans ma tête. Je m'en fous, en fait, qu'il y a peut tuer. J'ai un truc qui peut te permettre de t'approcher de quelqu'un, de te déplacer
presque une téléportation, c'est ça qu'il me faut. Après, t'as fait un critique aussi. Oui. Moi, j'ai pas eu de moment où j'ai pas... Il y a eu des moments où vous m'avez fait stresser, mais... Le pire stress qu'on t'a fait subir. Bah, la partie d'avant... Ouais, à l'intérieur, ça chauffait un peu, tu vois. Quand vous avez voulu absolument aller dans le temple... temple des morts, là... Je me dis, mais comment je vais faire? Il reste plus rien. La campagne, elle est pratiquement finie. Et en principe, dans le livre, c'est marqué « S'il rentre, il meurt. » Voilà. Fin de campagne. Je vais essayer de faire autrement, hein, mais... même pour te faire revenir, comme je disais sur le Discord, ne me voyez pas te faire faire un nouveau personnage alors que, bah, tu vois, il reste... 2 heures de campagne. Ouais, ça aurait été chiant. Voilà. Ça m'a bien fait stresser. Mais vous c'est ce qu'on avait dit en retour de partie après. Tu vois, d'un autre côté, on tombe devant la déesse araignée de la mort, mais c'est pas un problème de la libérer. Tu vois. Donc, en fait, il y a plein de moments dans toute la campagne qui sont comme ça. Donc, quand t'arrives devant cette porte, bien sûr, inconsciemment, tu dis, mais c'est une boulette. Mais d'un autre côté, le manoir vivant était inconsciemment une boulette aussi. Mais on pensait pas, tu vois. Et là, c'est radical. Et en fait, c'est très trompeur. On dit, ouais, je vous ai un peu prévenu. Il y a plein de fois que tu nous as prévenu que c'était dangereux. C'est pas pour ça que... Hein, mais l'Osmanli, en fait, elle est très mortelle. Il y a beaucoup de choses. Les Shraou, vous avez vu, vous loupez un G, c'est marqué, s'ils loupent leur G, ils tombent dans l'abysse et c'est fini. Le pont où vous êtes, où vous voyez rien, si vous avez rien pour vous éclairer, il y a un G et vous tombez, c'est fini. Enfin, voilà, c'est vraiment... à partir du moment où t'arrives en Osmanli, il y a plein de moments où ils disent... c'est marqué, voilà. Soit il se passe ça, soit il meurt. Arriver en Osmanli, tous vous tuer juste avant la fin de la campagne. Oh. Non. Mais voilà. Bon, en tout cas, on va couper le live. Merci encore de nous avoir suivis pour toutes ces soirées. Et puis à... Yes. À la prochaine. Il y en aura d'autres, hein. Oui. Mais plus sur du Aria, du coup. Bonne nuit. Ciao, tout le monde. Merci à tous. Bisous.